La 66e Assemblée générale de l'ONU sera marquée ce jeudi à New York par l'adresse du chef de l'État devant ses pairs, compte tenu de points à l'ordre du jour, Joseph Kabila, qui prendra la parole jeudi sous le coup de 20h heure de Kinshasa, devra réitérer l'appel qu'il avait lancé l'année dernière dans le contexte de la crise financière. La crise alimentaire et la famine frappent plusieurs peuples de notre planète. Les maladies et les endémies naguères disparues refont surface, de même que tant d'autres fléaux nouveaux. On observe notamment une avalanche de calamités naturelles dans la foulée, des changements climatiques qui s'annoncent encore plus dévastateurs. Monsieur le Président, le tableau sombre que je viens de brosser succinctement devrait nous inciter à plus d'unité pour mobiliser davantage les efforts dans un élan de solidarité constructive afin de trouver des solutions concertées et globales à la mesure de l'immensité des défis qui doivent être relevés. Cette année, la lutte contre les maladies non transmissibles est également à l'ordre du jour et Joseph Kabila ne manquera pas d'évoquer la tenue des élections en République démocratique du Congo.